un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Et au début de la séance, le chef d'État nous a rappelé le point, à savoir des échanges avec nous sur les réformes dans le secteur de l'éducation pour une amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc voilà un peu. Et après avoir rappelé, n'est-ce pas, l'ordre du jour, il a donné la parole à ses ministres sectoriels de l'enseignement maternel et enseignement secondaire, enseignement maternel primaire et secondaire, pour faire un diagnostic sur la situation d'éducation, n'est-ce pas, actuellement. Ce diagnostic révèle que le niveau des apprenants est faible, très faible. Et dans la sous-région, nous ne sommes pas à la hauteur des autres. Et donc, il faut, n'est-ce pas, examiner les causes. Et en examinant les causes, eh bien, un des facteurs qui expliquerait, n'est-ce pas, la baisse des niveaux des apprenants, c'est bien les collègues qui ont été recrutés à une période donnée. Et donc, c'est le facteur essentiel, c'est le profil et la qualité, n'est-ce pas, des enseignants. Nous avons retenu que le gouvernement veut reconstruire l'école béninoise, a décidé de reconstruire l'école béninoise, et que cette reconstruction passe par des réformes. Et au nom de ces réformes, et le gouvernement veut évaluer le niveau intellectuel et académique des enseignants qui interviennent de la maternelle, du primaire et du secondaire. La position de la CSTB a été claire. L'évaluation diagnostique dont on parle, il n'en est pas question. La CSTB n'est pas contre l'évaluation. D'abord, la CSTB a montré que la question de l'amélioration de la qualité du système éducatif passe par l'orientation. On doit savoir quel type d'homme veut-on former et voir les moyens qu'il faut utiliser. Est-ce que l'école dans notre pays permet de former un type d'homme intégré dans sa culture, dans sa société? Du coup, est-ce qu'on veut véritablement former un Béninois utile au développement du pays? Si on veut le faire, il faut nécessairement que l'enseignement se fasse dans les langues maternelles.